En ce moment, il y a un brunch chez Ikea pour 4,95 € avec tout ça. Chers clients, bonjour et bienvenue. Votre magasin Ikea ouvre dans 15 minutes. Pour bien démarrer votre visite, l'équipe de restaurants suédois vous attend et vous propose son petit déjeuner à partir de 1 € au premier étage. Alors, à tout de suite au restaurant. Ok, on y va. Babette Delphine est arrivée. C'est parti. On a une petite exclusivité, quoi. On peut rentrer dans l'IKEA 15 minutes avant. On est arrivé dans la salle de restauration de IKEA, regardez. Il y a déjà pas mal de monde, là, finalement. Bon, on va prendre le plateau. Alors déjà, oui, vous avez le choix entre du saumon en salé et du fromage. C'est en train de mettre en place les desserts. La tarte au dain. Salade de fruits, on a le droit, il me semble. Hein. Salade de fruits. Ça se remplit du beurre, t'en veux toi? Moi j'en reprends pas. Fraise, groseille, non fraise, abricot. Et du coup on a droit à un jus d'orange. Ouais, un jus d'orange. Pressé frais. On va voir ça. Oh les mini viennoiseries, non je crois pas. Boisson chaude encore et du pain. Fais un petit tour du propriétaire. J'ai hésité entre la table noire et la table grise juste là. Vous avez le choix, table haute, table basse. Vous pouvez faire une petite réunion avec les enfants au milieu qui chahutent. C'est toujours agréable. Et Delphine ici, elle s'occupe. Petit café long. Ce qui est bien, c'est qu'ils vous donnent une tasse et vous sélectionnez la boisson que vous voulez. Il y a espresso, café long, eau chaude où ils vous donnent une infusion là-bas. Il n'y a que des thés, hein, pas d'infusion. Boisson cacao, café au lait ou cappuccino. Et après, c'est à volonté. Hein. Vous revenez, vous réappuyez, tac, tac. Ah, t'as la fontaine à eau. Ça aussi, c'est pas mal. Une petite pause en été, 1 € la glace. Ils vous donnent le jeton et puis voilà. Là, ça va, il est 10 h. Mais ouais. Si c'était un vrai brunch qui remplace le repas de midi, j'aurais encore faim. C'est vrai, c'est trop léger, tu trouves? Oui. Les brunchs, quand il va, normalement, il y a plus. Ah, des brunchs à 20 balles, genre dans les restos, ouais. Et tout. Ouais. Ça, c'est un petit déj consistant, on va dire. Voilà. Plus. Ça. Plus, plus quoi. Bah vas-y, bonne app. Le pain, j'adore. Ça avec du fromage là. J'adore le salé, moi. Je pourrais te manger des lasagnes le matin. Pizza froide, trop bon. Ouais, pizza froide aussi. T'as pas pris ta boisson chaude? J'apprends toujours après, moi, la boisson chaude. Mais tu sais que c'est à volonté, la boisson chaude? Ah ouais? Ouais. En fait, elle te donne une tasse. Tu vas là-bas et il n'y a pas de jeton à mettre. Donc en fait, tu appuies juste sur le bouton et ça vient. Franchement, pour 4,95 €, là, tu as des produits bruts. Donc tu vois, on parlait avant de la qualité. Alors peut-être que ça, effectivement, c'est pas du jus. Non, ouais. Ça, c'est des extraits de fruits réhydratés, c'est tout. Hein. De la poudre, là, tu sais. Mais. Ouais. Ça, c'est des vrais fruits, tu vois. Ça, c'est des vrais fruits. C'est un peu dans les pays nordiques où t'as beaucoup de pain noir aussi. Les galettes là sont typiques aussi. Et tu sais ce que ça veut dire, Newt is in the house en fait? Eh ben en fait, Newt ça veut juste dire du fun, du plaisir. Ça veut trop rien dire, hein. Ils l'ont inventé. Hein. C'est une invention marketing. En tout cas, on se sent bien en Suède là. Vous aimez bien Ikea, hein? Ben, moi aussi. En fait, je me sens trop bien, c'est ce que je disais avant à Delphine dans la voiture en vocal. Eh ben, c'est ma maison ici. Je trouve qu'on sent trop bien de venir ici au resto. Il y a tellement d'espace, de volume. C'est bien décoré. En même temps, tu me diras, non, un magasin de meubles et de décoration. Oui, c'est vrai. Ce serait un peu ballot. Le fromage, je le trouve super bon. Hyper, je sais pas, crémeux. Il y a du goût, en fait. Allez, une bouchée pour vous. On va voir si j'arrive à viser sans regarder. Pour l'instant, j'y arrive pas. Ah, ça y est. Hop là. You. Je suis choquée. T'es choquée? Cette aisance. Tu peux essayer? C'est bizarre avec la caméra comme ça. T'as l'impression que quelqu'un te regarde, c'est un peu genre l'espoir. C'est gênant. Faire des expériences un peu bizarres. C'est vrai que c'est pas hyper naturel d'avoir une caméra comme ça. Pour ceux qui habitent en province, c'est vrai. Ils font de la route. Le IKEA, il ouvre qu'à 10 h, mais tu peux venir 9 h 45. T'as fait de la route,
tu prends un petit déj, tu prends un café, tu démarres bien la journée et puis t'es d'aplomb pour faire tes courses et passer au moins une ou deux heures dans le magasin, quoi. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'un euro, franchement, le petit déj. Ah, je dis non. Je vais vous résumer les trois offres qu'il y a. Le matin, quelque chose qui ne disent pas mais qui existe, c'est qu'avant 10h, donc de 9h45 à 10h, quand le magasin n'est pas encore ouvert, si vous attendez sur le parking, là on était 15-20 à attendre, tu sais. Eh bien, à l'annonce, ils vous disent que vous avez le petit déjeuner pour 1 euro. Donc, c'est une boisson chaude, il me semble, avec une petite viennoiserie et un jus d'orange. Deux petites viennoiseries. Mais moi, j'y suis allée et j'avais pas envie de manger. Donc, j'ai juste pris un café. Elle m'a donné la tasse et moi, je voulais payer. Je lui dis, je vous dois combien? Elle me dit, c'est bon. Et comment ça, c'est bon? Mais oui, c'est offert avant 10h. Ah, ok. Donc, en fait, vous avez boisson chaude à volonté. Avant 10h, tu prends un café et ça te met vraiment d'attaque, c'est trop bien. Après, donc, vous avez à 1 euro le petit déjeuner classique, si vous n'avez pas trop faim. Et là, en ce moment, il y a ce fameux brunch pour 4,95€ qui est servi jusqu'à 11h. Parce qu'à partir de 11h, effectivement, c'est les plats chauds qui sont servis. On ne va pas vous retenir plus longtemps, on va vous laisser sur un croc de Delphine avec beurre et confiture. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. On fait un gros bisou, hein. Salut. Et puis vous notez dans les commentaires, Delphine la pauvre, elle est gênée, contrainte et forcée.